Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo et surtout très importante hein, vidéo. Donc je vous demanderai de la suivre jusqu'au bout pour avoir connaissance de ce que je vais vous dire puisque vous allez le voir, ça fait déjà quelque temps que certaines rumeurs circulent, certaines choses ont été démenties, il y a une espèce de vague de panique qui est en train de se faire, c'est devenu viral, donc on va essayer d'analyser ça ensemble. Attention, je ne prétends pas avoir l'ultime vérité, qu'on soit bien d'accord. Je suis juste allé à la pêche aux informations. J'ai essayé de trouver des sources qui étaient fiables, des annonces qui étaient officielles pour pouvoir me référer à ça. Parce que bah, même moi, en fait, ça ne me fait pas trop rire la situation et ça m'inquiète un petit peu pour l'avenir. Alors, pour ceux qui ont un petit peu suivi les actualités, plusieurs plateformes de réseaux sociaux, à commencer par YouTube, Instagram, Twitter, etc., il y a des rumeurs qui circulent disant que ces plateformes pourraient disparaître incessamment sous peu. Il y a même une date hein, qui est tombée pour Facebook, on parle du 15 mars 2021, donc c'est là, c'est demain, hein, c'est dans 3 mois. Donc plusieurs plateformes qui seraient amenées comme ça à disparaître. Alors, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, Facebook, la société californienne, aurait démenti les annonces de fermeture puisqu'il n'y a absolument aucune note qui circule dans les locaux qui affirmerait que la plateforme disparaîtrait. Bon. Je parle au conditionnel, d'accord? Parce qu'on ne sait pas trop quand même ce qui est en train de se passer. Hein. Je pense que vous avez un petit peu suivi les actualités. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, est actuellement dans une procédure judiciaire assez délicate, puisque la justice américaine est en train de mettre en lumière certaines informations et certaines choses, certaines affaires qui sont un petit peu sales. Donc voilà, donc il est possible que y ait des sanctions, il est possible qu'il y ait des choses qui se fassent dans l'avenir, hein. C'est pour ça que là je vous parle à l'instant T, mais demain peut-être que les choses vont changer, hein. Et puis peut-être que le surlendemain les choses auront encore changé. Donc pour le moment, à l'instant T, la firme a affirmé qu'il n'y avait pas de clause, de mémo, d'annonce officielle qui dirait que Facebook et d'autres réseaux sociaux fermeraient. Bon. Mais c'est au conditionnel, voilà. Ensuite, il y a eu YouTube qui est aussi sur la sellette, qui est victime de rumeurs en disant que YouTube serait amené à disparaître, etc., etc. Bon, on va essayer de faire le point là-dessus sur YouTube, parce que je vous cache pas que moi, autant les réseaux sociaux qui ferment, personnellement, ça changera pas ma vie. Bien au contraire, parce que de toute façon, en plus Facebook, j'y vais une fois de temps en temps. Hein. Pour ceux qui me suivent aussi sur ma page pro Facebook, je vous mets des petites choses pour vous communiquer des informations. Mais personnellement, moi, Facebook, hein, que ça ouvre, enfin que ça reste ouvert ou que ça soit fermé, ça changera vraiment pas ma vie. Par contre, YouTube, c'est là où ça me dérange un petit peu plus parce que YouTube, quand même, c'est mon travail. Du coup, alors certes, je n'en vis pas. Hein, les revenus que je dégage, c'est pas du tout un salaire, je le déplore malheureusement, j'aimerais bien en vivre, mais je n'en vis pas, mais bon, ça permet d'acheter un petit peu de beurre pour mettre dans les épinards, hein. C'est pas des 100 et des 1000, mais bon, c'est quand même un petit supplément, et sachant quand même que je suis en chômage, hein, comme vous le savez depuis mon licenciement économique, et que avec les mesures sanitaires, le confinement et compagnie, il est extrêmement compliqué de passer des entretiens dans des restaurants qui sont pour tous fermés, voilà. Donc on a une espèce de cercle vicieux qui fait que le travail on n'en a pas mais on peut pas en trouver et on n'est pas prêt d'en trouver, voilà. Et les entreprises quand elles vont réouvrir, ça m'étonnerait qu'elles recrutent puisqu'au contraire elles vont licencier vu qu'elles n'ont plus de trésorerie, enfin voyez le truc hein. Donc pour le moment YouTube c'est la seule chose sur laquelle je peux m'appuyer. Et pareil YouTube, il y a des rumeurs qui diraient que c'est amené à fermer. Alors on va faire un petit peu le point sur ça. Tout simplement, YouTube a mis à jour ses conditions d'utilisation en rajoutant une clause qui précise tout simplement que certaines fonctionnalités se verront être fermées si celles-ci sont obsolètes ou sont peu utilisées. Alors tout de suite, cette clause a été interprétée de façon virale. Hein. Il y en a plein qui ont dit oui, du coup, ils vont fermer les chaînes qui rapportent pas assez d'argent, etc., etc. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que YouTube a dit. Tout simplement, les fonctionnalités qui sont obsolètes ou très peu utilisées se verront être supprimées.
Bon, j'ai envie de dire c'est logique. Si moi, par exemple, sur YouTube, il y a quelque chose que j'utilise pas, j'en sais rien, je peux pas vous citer un exemple là tout de suite, mais s'il y a un truc que j'utilise très peu, voire pas du tout, bah effectivement, il n'y a pas d'intérêt à le garder sur ma chaîne, autant le supprimer, hein. Je sais pas, moi, imaginons, bah tiens, l'onglet communauté. Imaginons l'onglet communauté, je vous poste jamais rien, je l'utiliserai jamais, etc. Bah effectivement, il n'y a pas de raison de garder ça sur ma chaîne si je ne l'utilise jamais. Hein. Par contre, voilà, si je l'utilise plus régulièrement comme je le fais actuellement, ben, il n'y a pas de raison de le supprimer. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais cette clause aussi, elle est un petit peu plus profonde en termes de sens, puisque cette clause, en fait, fait comprendre aussi que si les services de YouTube étaient amenés à disparaître, eh bien, chaque créateur qui utilise YouTube, eh bien, ne pourrait demander aucune compensation pour l'arrêt de ses services. C'est là où ça devient un petit peu plus bizarre. C'est que bah déjà, pourquoi rajouter une telle clause à ce moment-là, pendant que tout le monde parle justement de certains trucs qui sont en train de fermer? Pourquoi rajouter cette clause là, à cet instant, s'ils n'ont pas prévu de fermer, hein, puisque YouTube, du coup, aurait démenti aussi les informations de fermeture en disant que non, ils n'avaient pas prévu de fermer. Mais bon, c'est vrai que la coïncidence fait qu'on se pose quand même la question de pourquoi rajouter de tel type de clause si c'est pas prévu. Donc bon, voilà moi ce que je vous transmets le peu que je sais, mais je vous cache pas quand même que ça fait tenir en souci tout ça, parce que je pense à des amis youtubeurs qui eux vivent vraiment de YouTube, hein, qui ont des salaires et parfois des gros salaires. Donc pour eux c'est le chômage, hein, c'est vraiment le chômage, ce serait catastrophique, c'est des milliers, voire des millions de personnes qui vont se retrouver au chômage. YouTube quand même c'est une plateforme de communication et de diffusion à l'échelle mondiale qui rapporte des milliards d'euros dans le monde et chaque année. Donc oui, ça fait poser la question de se dire, mais waouh, si un géant comme YouTube est amené à fermer, ça, les répercussions économiques et les dommages collatéraux vont être immenses. Parce que la plupart des influenceurs, comme moi, alors moi je suis un petit influenceur, mais j'en fais partie, et ben tous, du coup, on sera réduit à rien, à plus rien du tout. Hein. Donc c'est vrai que ça fait poser des questions. Bon, dans le cas de figure où les choses arriveraient, je pense quand même qu'on serait averti à l'avance, hein, ils vont peut-être pas tout fermer du jour au lendemain sans rien nous dire. J'espère en tout cas, hein, j'espère. Donc on sera certainement mis au courant avant les autres, hein, c'est-à-dire peut-être que les créateurs, nous, on a forcément accès à des informations que vous, les spectateurs, vous n'avez pas forcément. Donc en tout cas, moi, je ne sais pas les autres, mais moi, j'essaierai de vous tenir informés en fonction des informations que je reçois et que j'essaierai de décrypter. Parce que là aussi, j'ai l'impression que tout est tabou. C'est chiant, je vous jure, il y a des trucs, c'est chiant. Il ne faut pas parler d'argent. Sur YouTube, c'est tabou, il faut pas parler de ça parce que c'est tabou, il faut pas parler de ça parce que c'est censuré, et ben merde, voilà. Nous, on a besoin de savoir, vous avez besoin de savoir, donc j'essaierai d'aller à la pêche aux infos, j'essaierai de décrypter pour vous parce que parfois c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est délicat, c'est pas très explicite, enfin voilà, faut vraiment décrypter par moment. Donc je ferai ce que je peux pour essayer de vous transmettre. Et dans le cas de figure où effectivement il est prévu les fermetures définitives de réseaux sociaux et de la plateforme YouTube ou autre, eh ben on essaiera de trouver des solutions pour que je puisse faire mes vidéos ailleurs. Alors bah, c'est embêtant parce que bah, je connais rien d'autre. Je connais deux trois trucs d'autres plateformes, mais il va falloir que je me familiarise. De toute façon, on n'aura pas le choix. Il faudra que je me familiarise avec. Donc, je vous donnerai les plateformes que je trouve qui sont un peu simples d'utilisation, pas trop compliquées, sur lesquelles on peut faire des trucs comme YouTube, on peut le faire. Voilà. Et puis, je vous communiquerai tout ça, toutes les informations. Et puis, bien sûr, c'est là où vous allez devoir conserver mon mail très précieusement parce que si je suis amené à ne plus vous faire de vidéos, plus rien du tout, c'est là qu'on pourra garder ce lien entre nous par mail parce que j'ai quand même espoir que Gmail ne fermera pas aussi. Ils peuvent quand même pas tout fermer en même temps. Ou pire, je sais pas, on s'enverra des pigeons voyageurs, on se fera des signaux de fumée, j'en sais rien.
On trouvera des solutions. Mais non, donc surtout, c'est là où vous garderez mon mail précieusement pour qu'on puisse garder contact ensemble. De toute façon, j'aurais plus que ça à faire. Hein, s'il n'y a plus de vidéos, vous êtes presque 6 000 abonnés, j'aurais plus que ça à faire de mes journées, hein, de vous répondre à tous. Hein. Ça sera ma seule activité, répondre aux mails. Hein. Et puis bien sûr, bah, on fera les consultations privées par mail, on fera, je sais pas, les énergies de la semaine par mail. J'en sais rien. Honnêtement, moi-même, je n'en sais rien. Je ne sais pas où on va. Pour l'instant, j'ai envie de pas trop m'inquiéter parce que je veux croire en la sincérité des plateformes quand elles disent qu'elles ne fermeront pas. J'ai envie de croire en leur discours, même si moi-même, il y a des choses que je trouve surprenantes de coïncidence et un peu bizarres. Mais je veux croire en leur discours. Peut-être que, bah, oui, ça finira par fermer, mais peut-être que... C'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans, enfin voyez, on ne peut pas fermer comme ça tout du jour au lendemain, sachant quand même que comme je l'ai dit, YouTube a mis à jour de nouvelles conditions d'utilisation, ils mettent à jour leur serveur régulièrement, etc. Donc on se dit quand même qu'il y a du travail derrière tout ça. Pourquoi faire autant de travail si du coup vous avez prévu de fermer? Enfin je ne sais pas vous, mais si votre entreprise ferme demain ou la semaine prochaine, bah, fatalement, la qualité de votre travail va s'en faire ressentir parce que vous allez vous dire, pourquoi je viendrai à l'heure, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que je rendrai tel dossier, ça sert à quoi? Enfin, voyez, et fatalement, vous auriez un comportement qui ferait que bah, voilà, puisque c'est fini, pourquoi continuer comme ça? Pourquoi vouer de l'énergie pour rien? Donc c'est pour ça que j'ai envie de croire à leur discours, même si je pense qu'effectivement, il va quand même y avoir de grands changements à venir. Parce que pour ceux qui suivent un peu l'actualité, hein, ce qui est en train de se passer pour le procès de Mark Zuckerberg, apparemment c'est vraiment des affaires qui sont pas très propres quand même. Hein. Bon, j'ai envie de dire, fatalement, hein, quand on trempe dans des choses qui sont pas très propres, quand on est mêlé à des affaires, voilà, et ben, y a un moment où il faut répondre devant la justice et puis assumer les conséquences de ce qui arrivera. Hein. Mais YouTube, enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, on n'est pas derrière eux, en même temps on sait pas, on peut pas parler, mais voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais essayer de trouver des solutions. C'est rageant parce que si YouTube est amené à fermer, c'est quand même rageant parce que ça fait plus d'1 an, ça va faire 1 an et demi que j'ai la chaîne, j'ai quand même travaillé d'arrache-pied, j'ai beaucoup investi, que ce soit dans les caméras, les lumières, tout ça, tout ce que j'ai autour de moi, enfin tout ça, ça a été pour vous, c'était pour vous. Et j'avoue que ça serait un peu rageant que toute cette aventure se termine, quoi. Ça serait vraiment. Mais bon, peut-être que ça laissera place à autre chose qui évoluera ou je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour le moment, on va essayer de pas y penser. Ne paniquez pas non plus de votre côté, d'accord? Ça ne sert à rien. Pour le moment, il n'y a pas d'information officielle. Il n'y a rien qui a encore paru. C'est des bruits de couloir, ce sont des rumeurs. Voilà, c'est chacun y rajoute son information à lui. Du coup, les informations originelles sont un petit peu amplifiées, déformées et extrapolées. Donc voilà, hein, pour le moment, on essaye de ne pas paniquer. Tant qu'il n'y a pas d'infos officielles, de toute façon, ils seront obligés de nous envoyer une info officielle, hein, de nous dire, voilà, dans 1 semaine, dans 15 jours, YouTube s'arrêtera, Facebook s'arrêtera. Enfin voilà, ils sont obligés quand même de communiquer des informations. Hein. Donc pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'information sûre qui est sortie, ne paniquez pas, mais ça n'empêche quand même que au cas où, on va quand même prévoir les choses. Je vous tiendrai informé dès que je trouve des plateformes qui sont intéressantes et surtout qui ont un avenir radieux, enfin stable, on va dire. Hein. Je vous en parlerai, je créerai les comptes, je vous donnerai les comptes. Par contre, je préviens qu'ils ne seront pas actifs parce que je ne vais pas me rajouter du travail. Hein. Je ne vais pas faire la vidéo sur YouTube, une vidéo sur TikTok, une vidéo sur machin. Non, c'est pas possible. Je ne vais pas faire 10 vidéos par jour pour alimenter les machins. Donc, les comptes que je créerai sur les autres plateformes seront
actif, mais pas alimenté tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle. Hein. C'est-à-dire que mes vidéos continueront à être publiées sur la chaîne, sur YouTube. Je continuerai à communiquer aussi avec vous via Facebook tant qu'il n'y a rien. Hein. C'est-à-dire que moi, je ferai partie de ces personnes qui vont travailler jusqu'au dernier jour. Voilà, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, je publierai sur YouTube et sur Facebook comme je le fais via la page pro. Et puis, quand il y aura des annonces officielles qui tomberont, là, eh bien, je basculerai sur les comptes que j'aurai créés pour vous mettre le nouveau contenu. Donc, quand je vous donnerai les comptes, n'hésitez pas à aller vous abonner, etc., etc. Je sais pas comment ça se passe, vous abonner, liker, j'en sais rien quoi, on verra. Je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc, mes amis, pour ces dernières informations, essayez de rester informés vous-même, d'aller à la pêche aux infos. Si vous-même, vous avez des informations à communiquer, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace des commentaires. D'accord? Par contre, ce que je vous demande, c'est de vérifier vos sources, vérifier bien vos informations. Hein, c'est-à-dire que si ce sont des informations que vous avez lues sur des posts Facebook, évitez de les partager, s'il vous plaît. Parce que Facebook, c'est loin d'être la plateforme où on trouve le plus de choses avérées, d'accord? Donc, quand vous entendez une information, essayez d'aller chercher sur Net, d'aller chercher sur des journaux, des trucs financiers, économiques, etc. Parce qu'en principe, c'est là qu'on a de vraies informations. Donc, vérifiez vos sources, vérifiez bien les informations que vous avez, qui sont avérées. Essayez de retrouver les textes originaux ou les annonces originelles pour partager en commentaire. Hein. Ne mettez pas tout et n'importe quoi. Parce que du coup, tout le monde va paniquer encore plus. Mais voilà, si vous-même, vous avez des informations sérieuses, n'hésitez pas à les partager. Parce que là, je pense que pour le coup, c'est vraiment un travail de groupe qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. En tant que communauté, il va vraiment falloir se serrer les coudes. Parce que je pense que oui, effectivement, il y a des choses à venir. Et voilà, il faut qu'on essaye de rester solidaire le plus possible pour qu'on puisse se retrouver eh bien, ailleurs si on est amené à déménager. Voilà donc, mes chers amis, sur ce, je vous embrasse fort. Ne paniquez pas, hein, l'aventure continue telle qu'elle est pour l'instant. On verra quand les choses se présenteront. Prenez bien soin de vous, soyez à l'affût et soyez attentifs de tout ce qui pourrait sortir.